29 août 2003, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence, c'était Madonna et Britney Spears qui s'embrassaient. Est-ce que vous faites partie des 49% d'hommes français qui fantasment lorsque deux femmes s'embrassent? Et il y a eu un sondage cet été, peut-être l'avez-vous vu, dans l'hebdomadaire Marianne, sur les personnalités politiques et est-ce qu'elles font fantasmer les Français? La réponse est plutôt non. Ma si soeur. On enlève Ramayad... la moyenne, les hommes politiques ne font fantasmer que 1,75%. Mais c'est pas leur rôle, vous l'avez bien compris. Est-ce que vous pensez que c'est un problème? En août 1963, la naissance du téléphone rouge, l'Est et l'Ouest se parlent, Kennedy et Khrouchtchev. Vous êtes donc présidente de la République, vous avez accès au téléphone rouge. Quelle est la première personne que vous appelez parmi ces trois propositions? Le voilà, le téléphone rouge, c'était pas ça à l'époque, mais on prend un téléphone rouge. Barack Obama, Dimitri Medvedev ou Lin Tao? Qui appelez-vous en premier? Août 85, première diffusion sur Canal+, du porno. Regardez ces images. Évidemment, il n'y a pas le son et pas vraiment l'image. Alors, on vous sait très attaché, Ségolène Royal, aux valeurs traditionnelles. Ouais. Pour et contre, tout simple, pour ou contre le porno à la télé? Pour ou contre le string à l'école? En 2003, vous étiez con. Pour ou contre un statut professionnel pour les prostituées? Pour ou contre l'uniforme à l'école? Et enfin, quelle pour couleur? Ou contre l'obligation d'apprendre la Marseillaise à l'école? Le 1er septembre 1971, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était la création d'un comité contre le vice à Saint-Tropez. Regardez cette archive. Il faut dire qu'il y a quand même une recrudescence et à la fois de l'étalement du vice en public et deuxièmement la commercialisation du vice. Alors plus sérieusement, j'aimerais connaître l'avis de l'ancienne secrétaire d'État à la famille sur certaines questions de société, choquée ou pas choquée, notamment sur la volonté de légaliser le cannabis. Si un de vos enfants veut participer à une émission de télé-réalité, vous êtes choquée, pas choquée? Choquée, pas choquée par les clubs échangistes? Les femmes cougars? Très bien. L'utilisation des abréviations dans les SMS au quotidien. MDR, ça veut dire quoi? TKT. CC. CC, alors ça. Je sais pas. Ouais, on l'entend derrière dans le public. Coucou.